retrouvons pour une rencontre au sommet dans un environnement tout à fait adéquat. Les hommes lézards excellent dans certains domaines, mais sont exécrables dans d'autres. Pour faire simple, les skinks sont en mousse et les saurus sont de main gauche. Les touchdowns ne vont pas tarder. Le sorcier du studio m'en a promis au moins un avant le coup de sifflet final. Allez les gars, tous ensemble! L'union fait la force.
choisir un joueur pour cette action, c'est effectivement le bon choix. J'approuve la décision du coach. Plus c'est grand, plus c'est neuneux. Je ne parle pas pour toi, Bob. Ça court vite, ces gars-là. Mais quand tu le frappes, ça claque en un tour de main. C'est le moment de vérité. Ce joueur a une chance de snuffing. Quel a été ton meilleur moment dans ta carrière de joueur, Bob? Le jour où j'ai marqué mon premier touchdown. Juste avant, j'avais arraché la tête d'un type qui m'avait saoulé dans les vestiaires. Pour rire, je lui ai collé le ballon sur la nuque et j'ai envoyé valser le tout dans l'embute adverse. Les arbitres ont dit que c'était parfaitement valable. Donc, touchdown! La FAE a changé les règles le lendemain. Il s'acharne sur ce pauvre joueur comme des halflings autour d'un sandwich. Il va se faire aider, cette espèce de... d'assister, va. Thank you.
quelque chose de profond à dire quand les joueurs se... se décideront à jouer pour de bon. Corps à corps. Je sens que ça va me plaire. Ce joueur préfère se battre entouré. Comme disait Jérémie. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, Saurus, ça tape mieux.
trop de première. Mon gars, mords-y l'œil. Ce joueur est à deux doigts de passer les portes de l'enfer. Ne fait pas bon se retrouver là. Ils vont en découdre mano à mano, Bob. Pas pour ça. Il faut se rapprocher jusqu'à sentir la laine de l'adversaire et voir les insectes coller entre ses dents. L'attaquant bénéficie de soutien. Il s'est fait couper. C'est bien comme ça que disent les jeunes de nos jours, non?
Tes mains sont déjà très semblables à des marteaux, Bob. C'est le moment de vérité. La barre du bravo n'attend pas la blanche colombe, ni le porteur du ballon. Ils s'acharnent sur ce pauvre joueur comme des halflings autour d'un sandwich. Ça sent la bonne grosse empoignade. Imagine que c'est ce qu'il dirait s'il pouvait parler. On retrouvera peut-être ce joueur plus tard, s'il se réveille. Mmh.
te débarrasses du ballon. La zone d'embut est en vue. Ensemble. Bien vu ça. Tout est dans l'intimidation. C'était une de mes spécialités quand je jouais encore. Préfère se battre entouré. Une bonne chance de fait. L'équipe forme une cage autour du ballon. Pas bête comme tactique.
ce joueur. Ça va faire mal. Ce joueur va se prendre un coup dessus. En dessous de la ceinture. Bord du terrain, à portée des mains des fans qui ont l'air affamés. N'es-tu pas nostalgique de la FAE, Bob? Pas des masses, Jim. À l'époque, il y avait beaucoup plus de règles. Pas moyen de se jeter dans la foule pour semer la zone. Fallait demander la permission d'abord. Ah! Ces joueurs savent pas leur chance! L'union fait la force, comme on dit. Immobile avec son filet de bave.
enfin démarrer. Si j'étais mis KO, est-ce que je voudrais revenir dans le match? Ça m'étonnerait. L'une des deux équipes a un joueur de moins. Un écart infime, mais qui pourrait avoir son importance. Ils effectuent l'engagement. Maintenant, il va falloir tenir en défense. J'ai déjà joué sur ce terrain, Jim. Si je me souviens bien, on avait perdu. Enfin, perdu le ballon, quoi. Pas moyen de le retrouver sous tous ces cadavres. Ah, j'avoue, j'étais de sale humeur. Ça me rappelle la fois où tu as enchaîné tous les techniciens gobelins ensemble pour en faire une masse vivante, juste histoire de tromper l'ennui. Ouais, ça c'était de l'arme de destruction massive. Tu as déjà goûté la croxiade, Bob? Une boisson énergétique concoctée par les Skaven du clan Pestilence? Sans façon, je suis pas une flèche d'accord. Et je suis pas stupide à ce point. Je
ballon si tu passes ton temps par terre à te tordre de douleur. Le ballon parvient à destination, l'attaque peut continuer. De retour. Formidable! Va falloir le soigner, ce coup de pied! C'est un super match jusque-là. Le rythme s'est un peu ralenti, mais ça va reprendre de plus belle d'une seconde à l'autre. Qu'est-ce que t'as enregistré sur ta Wii U Box, à part de vieux matchs et de Blood Bowl? Je suis accro à Game of Gnome, la série d'HBOuille. On ne sait jamais quel nabo en bagouzé les auteurs vont tuer dans d'atroces souffrances. C'est d'un brutal! Ensuite, j'ai du Dr. Flu, un voyageur du temps infecté par la pourriture de Nurgle qui se promène dans l'histoire et contamine tout le monde. C'est du bon, mais c'est un peu capillotracté parfois. Tu sais quoi, Jim? Je sais chanter. Oh non, par pitié. Vraiment? Ouais. Ouh!
problème, Bob? Bah, une mousse d'Underclutch dans mon café! Je me demande souvent à quoi ressemblerait le Blood Bowl si on enlevait le ballon. Ah mais ce serait la guerre, Bob. Pas besoin d'aller au stade pour voir ça. Ouais, c'est pas fou.
joueurs sont tout proches. Le combat paraît inévitable. Ce joueur préfère se battre entouré. Ce joueur... Oui, mais j'ai entendu dire qu'il ne pouvait plus enfiler ses chaussures tout seul. K.O. À terre. Ça va faciliter le travail de l'équipe. Bravo! C'est ça, on le force à reculer et puis paf. Il n'a aucune envie de laisser tranquille. Les joueurs viennent au soutien de leurs coéquipiers. C'est tout sauf une bonne idée de finir sa course si près de la ligne de touche. C'est un coup à se faire pousser dans la foule. La dernière fois que c'est arrivé, il a fallu 3 jours pour reconstituer le corps. Oh.
ça. Il faut se rapprocher jusqu'à sentir la laine de l'adversaire et voir les insectes coller entre ses dents. Le soutien suffira-t-il à prendre le dessus ? Cherche clairement le corps à corps. L'union fait la force, comme on dit. Je vois mal comment il pourrait. Les deux équipes a déjà plusieurs joueurs KO. Ils ont un joueur de moins. Rien d'y rattrapable. Le contrôle du ballon sera la clé de la victoire. Qu'est-ce que tu fais, Jim ? Oh, rien, je me curais les dents, Bob. Tu te polissais les crocs, quoi. On est diffusé dans tout le vieux monde en cabale visio destinée et rien n'échappe aux spectateurs. Il faut bien que je soigne mon apparence.
chaussures tout seul. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Un bout de temps. Le ballon bien en main. C'est toujours un peu navrant quand il rate quelque chose d'aussi simple. Thank you.
merveilleux spectacle. On appelle ça le baiser de l'Eiffel. Si le joueur trébuche en bout de terrain, il finira dans les tribunes. Et connaissant les fans de Blood Bowl, ce serait une très mauvaise idée pour lui. Il va se faire aider, cette espèce de... d'assister bah. Ce joueur fait approximativement la même taille que son adversaire. La force à l'état pur. Ce joueur est un peu court sur pattes. Ah, non, pardon, il est à terre. Qui est aux fraises, un des fruits les plus mortels qui soit. Pourtant, son horrible goût devrait nous mettre en garde. Thank you.
joueurs sont tout proches. Le combat paraît inévitable. Ce joueur préfère se battre entouré. Ce joueur est à terre et s'apprête visiblement à laisser un sale quart d'heure. Je parie 5 pièces d'or que ça commence par un coup de botte en pleine face. Ce joueur a l'air plutôt fier d'être resté debout. Plus dur sera la chute. En sécurité. À l'autre équipe de prouver le contraire. Moins il y a de défenseurs autour du ballon, plus le porteur est libre de son mouvement. Nous y sommes, et il nous reviendra peut-être tout à l'heure. À tout prendre, je préfère le jeu de passe aux bourrins qui cavalent. Eux et moi, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Moi, j'aimais bien cavaler. Tu sais où je te les mets, mes valeurs?
sont déjà très semblables à des marteaux, Bob. C'est pas parce que le coup de sifflet final va être donné qu'on n'a pas le temps pour quelques victimes. C'est une fin de match au couteau qui s'annonce.